Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft dans lequel nous allons construire un nouveau robot, normalement. Hop, voilà, plein de robots, non c'est pas là, c'est dans Play, c'est dans Edit maintenant, c'est ça. Ok, et on va revenir aussi sur plusieurs petites choses. En l'occurrence, l'épisode où j'avais acheté le, vous savez, je crois qu'on va appeler ça un shuriken. On va appeler ça sans doute un shuriken. Le shuriken, vous savez, qui n'a pas fonctionné dans le début de la vidéo et que j'ai live en toute lâcheté parce que je rageais, effectivement, c'est vrai. On revient dessus, pourquoi? Parce qu'il y a eu du coup des commentaires derrière qui ont été écrits dans ce que je vais appeler maintenant le tableau de la haine. Le tableau de la colère. Mais ce n'est pas grave, donc dans les commentaires, il y a eu donc plusieurs petites choses qui ont été notées, effectivement. Effectivement, je m'étais pas rendu compte que juste après, j'étais dans un mode avec des bots. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai relancé le jeu directement après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, le jeu m'a envoyé automatiquement, pratiquement aussi sec, dans une partie. Donc moi, personnellement, j'ai pensé, comme je joue à... Overwatch, j'ai pensé que c'était exactement comme dans Overwatch, un moyen de, vous savez, rejoindre la partie en cours. Hop. Que vous avez quitté comme en ranked en fait. Moi j'ai pensé à ça honnêtement, tout début de ça. Bon, il se trouve qu'au final je me suis planté. Bon bah écoutez, tant pis, hein, ça m'arrive, hein, je suis pas complètement omniscient non plus. Quoi qu'il en soit. Du coup, chez vous, ça a donné des choses assez violentes dans les coms. Bon, bah, c'est normal. Après tout, j'ai live alors que vous savez très bien que je n'aime pas quand les gens live. Mais là, c'était un cas de force majeure. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cru, quand j'ai acheté le robot, que le setup du robot, c'est-à-dire le mode de mouvement avec, était, entre guillemets, livré avec, littéralement. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Hop, c'est bon. Voilà. Crac, donc on va le faire monter un petit peu, c'est ici, hop. Et officiellement, finalement non, donc ça ne l'était pas. Bon bah écoutez, c'est encore une fois ma faute, hein, c'est bien ce que je dis. Mais c'est dommage que vous ayez tous pris ça pour le fait que j'ai pris les gens pour des cons dans la vidéo soi-disant. Hein. Non, j'ai pas capté que c'était des bots derrière moi, tout simplement chers amis, hein, c'est juste ça. Hein. Je n'ai pas du tout capté que c'était des bots. 4. Donc... 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 4, c'était ici. Ok. Hop. Faut que j'essaie de refaire une boule en fait. J'essaie de refaire une boule, mais c'est pas simple. Je crois que c'est ça. Je crois que là on est bon. Ok. Hop. Voilà. Hop. Ok. Là on est bon aussi. Allez. Hop. Parfait. Ok. Hop. Et donc là normalement il y en a 3 total. Et normalement je peux refaire ça comme il faut. Voilà, c'est bon. On peut refaire pareil ici de ce côté là. Ok. On reverra pour l'intérieur tout à l'heure, hein. Donc ouais, j'avais pas remarqué que j'étais avec des bots, hein, chers amis. Moi du coup je regarde pas vraiment avec qui je joue dans les parties. À part uniquement en fait, je le regarde principalement, c'est quand je lance le tournage. Quand la partie se lance, du coup moi je regarde et je vois à peu près contre qui je suis en train de me battre. Mais ce qui se trouve, c'est qu'en fait là depuis quelques temps, mon logiciel de tournage n'est plus exactement pareil. Donc je suis en train de vérifier un petit peu si ça passerait pas mieux comme ça. Hop. C'est un petit peu plus boule comme ça en fait, finalement. Hop. Hop. Hop, hop. Et. Hop, hop.
ça, hein. Non, c'est ça. C'est ça, voilà. Ok. Ça, on viendra plus tard. Ça aussi, ça aussi. Du coup, faut que je fasse pareil sur les côtés. Hop. Et supposément, c'est censé ressembler à la même chose, normalement. Ou alors, c'est que je me suis planté quelque part. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon pourtant. Ou alors c'est comme ça. Ah ah, voilà, voilà où était le problème. Ok. Deux, deux, c'est bon. Ok, c'est ça. Hop. Ok, c'est bon, je l'ai. 2, 2, et on rajoute 1 ici. Voilà. Ok. 2, 2, et on rajoute 1 ici. Voilà. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Parfait, on est bon. Donc là, nous avons une boule plus ou moins complète. Hop. J'essaye de régler les problèmes de boules. Voilà. Les problèmes de boules se règlent petit à petit. C'est terminé pour le haut. Et pour le bas, nous y sommes presque. C'est bon. Voilà. Nous avons donc une boule plus ou moins correcte. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais pas remarqué que j'étais avec des robots. Et du coup, j'ai fait comme ça. Hein. J'ai vu vos messages pendant pour le contrôle keyboard. C'est pour ça que j'ai interrompu la partie et que j'ai relancé. Hein? Oh, pardon. Hop. Voilà. Je précise quand même parce que moi je dis oh pardon mais il l'entend pas. Désolé, j'avais pas vu tes messages. Ok. Hop. Bon, on y est. Hop, 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 hop. Ok. On va essayer de refaire pareil partout, hein. C'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Hop. C'est à force d'essai. Ok. Ok. Trop haut. Ok. C'est bon. Et là, j'en ai pas. Hop, voilà. Ok. Ok. Là, j'en ai pas mis non plus. Bon. Hop. Ok. Oui, elle a le même trou que tout à l'heure. D'accord. Ok. Hop. Donc voilà. Désolé, je n'avais pas remarqué que j'étais avec des bots, hein. J'ai pas l'habitude. Par contre, de là à me dire que je sais pas choisir un menu, non, non, il y a un minimum de respect à avoir, attention. J'ai parfaitement bien choisi le menu, c'est le jeu qui m'a été directement dans cette partie-là. Hop. Moi, j'ai juste pas fait attention. Ok, donc ça ressemble plus ou moins à une boule, hein, honnêtement. Hop, bon, ça reviendra dessus plus tard. Ok. Alors, à l'intérieur. S'il vous plaît, pas de blague avec le mot à l'intérieur. Hop. Hop. C'est bon. Hop. Hop. Et ici, pareil. Crac. Comment j'en sors? Bah, on fera un trou par le haut. C'est pas grave. Hop. Voilà. Ok. Bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien l'extérieur, non? Oui, d'accord, ok. Hop. Ici. Ce que je voulais avoir à la base, moi, c'était ça.
Je sais pas comment je peux le poser en fait. Est-ce que je peux le poser de la même manière? L'objectif, ce serait véritablement de le poser pour qu'il fasse l'intérieur comme il faut et pas l'extérieur. Alors, est-ce que ça passe comme ça? Ok, donc j'enlève ce truc-là. Là, ça passe, parfait. Donc, faut que je le mette par le haut. Ok. Hein? Il y avait déjà un truc au-dessus. Ah bah oui, je suis con. Oui, je suis con, je le fais des deux côtés en même temps. Bah oui, je suis stupide. Je suis stupide. Ok, c'est bon. Oui, il faut que j'aille mettre les... Et comme ça, dedans. Hop, c'est bon. Ici, bah, on va faire pareil. Sauf que là, ça va être un poil plus chiant. Bah non. Non, tout bêtement, non. C'est pas plus chiant. Hop. Voilà. Ici, je peux mettre ceci. Ok, je vais supprimer les trucs extérieurs qu'on a mis. Les trucs extérieurs qui sont là, voilà. Ok. Et de ce côté-là, parfait. Bon, ça, c'est fait. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt bon. Ok. Ah bon? Ah oui, c'est parce que je devais être en mode... Ouais, ok, sans doute. Pourquoi pas. Hop. Ça, c'est bon, du coup. Et ça aussi, ok. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être solidifier la chose. À l'intérieur. Hop. Ok. Ça fait sens pour moi qu'il y ait pas de... qu'il y ait des trucs ici. N'inquiétez pas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas régler ce truc-là avec ça, au passage? Ah, ça fait pas si bien que ça. C'est pas avec ça, non? Même pas. Comment je suis censé régler ce genre d'angle? Hop. J'imagine que c'est ça, mais qu'il va y avoir forcément du coup un espace par-dessus, non? Oui. Hop. C'est dommage. Est-ce que ça peut renforcer ça? Je sais pas. Si visuellement ça va pas faire bien, mais si ça peut renforcer un petit peu le truc, c'est pas plus mal. Ouais, je sais pas, on verra. On verra, on verra. On verra. Si en partie ça marche ou pas. Ok. Hop. Et hop, ça c'est bon. Ok. Intentionnellement, non, je vais le faire ici en fait aussi. Je vais le faire ici en fait. On va bien le voir. Comme ça, hop. Hop, voilà. Autre chose dont je devais parler. Autre chose dont je devais parler. Oui, donc du coup certains me disaient que je fais pas beaucoup de créations. Mais normal parce que mes créations en fait ne sont pas super efficaces, on va dire. Voilà, on va le dire comme ça. Mes créations ne sont pas super efficaces et du coup bah je ne sens pas de vous les proposer forcément. Ok, j'ai pas beaucoup de place finalement aussi. Ok. Ici, non, c'est ici. Voilà, je voulais un ghost module. Alors pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, overlaps with memory. Ah bah c'est bien, ils l'écrivent maintenant. C'est cool. Hop. Hop. Voilà, du coup on va faire le milieu aussi avec la version perso de ce truc là. C'est pas bon. Hop. Hop. Ah j'ai pas la version miroir. Ok. Ah, raté. Ok, c'est bon. Du coup, ça. Ok. Je sais pas si c'est véritablement efficace ce que je fais, hein, mais... Mais je le fais. Ah, j'ai oublié ici. Hop, ok. Ceci. Où est-ce qu'il est ici? Ah, il est déjà posé, cool. Bah, c'est cool, je viens de le mettre. Ok, c'est bon. Alors, comme je l'ai dit, je ne sais toujours pas si c'est véritablement efficace ce que je fais, hein. Mais bon, c'est pas grave.
C'est déjà bien de le faire, Marcus, tu es créatif. C'est ce que vous devez mettre dans les commentaires. Je réponds à vos demandes, chers amis. Hop. Ok, c'est pas bon. Ah, ça c'est pas bon non plus. Hop, et hop. Voilà. J'espère que ça n'a rien cassé à l'extérieur. Hop. Ok. Je sais pas, hein, je fais des trucs qui, je l'espère, vont renforcer des choses, mais... Là, pour le coup, c'est pas dit, hein. Pas dit. Ah, comment je passe? Si, je passe encore. Hop. 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 Ah oui, mais là, comment je vais passer, là? Hop. Je voudrais garder l'effet œil. Hop. Ok. Ok. Bon, j'imagine que ça va être solide pour le coup là. Ok, bon, ça c'est fait. J'ai pas vu s'il m'avait répondu. Est-ce que c'est le même au moins? C'est pas véritablement obligé d'être dans le clan, mais c'est plus facile pour moi en fait de vous trouver quoi, tout simplement. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon. Ok, maintenant le mode de déplacement. Alors, hop. Crac. Alors, comme vous le savez tous, chers amis, il y a un nouveau mode de déplacement disponible, qui est ici d'ailleurs, les Sprinter Legs. Tiens, d'ailleurs, c'est Percé et Hermès. Ok, d'accord. Tiens, j'avais jamais remarqué le rapport à la... pour les legs, le rapport à la Grèce antique, enfin la mythologie grecque précisément. Ok, donc on va en prendre deux, pourquoi pas. J'en prends deux. Hop, et on va... Crac. Allez les poser. Hop. Oh bah dis donc, c'est déjà bugué. C'est cool. Hop. Ok, elles sont posées. À quoi ça ressemble? Ok. L'objectif maintenant, ça va être de les insérer directement dans le robot. C'est-à-dire couper encore une rangée de choses ici. Voilà. Est-ce que ça, du coup, ça passe? J'ai fait exprès d'en faire qu'une, hein, c'est juste pour véritablement regarder le... L'autre. Pourquoi ça passe pas? Que j'ai gardé ça. Okay. Hop, là c'est bon. Ok, alors. Est-ce que je vais pouvoir seulement, sait-on jamais, des fois ça accepte, hop, replacer ici. On est d'accord, là ça passe. Et devant ça passe. Ça passe aussi. Ok. Est-ce que je vais pouvoir par exemple placer, c'est tout con, mais des fois ça peut tout changer dans une game. Ça vous me l'avez bien expliqué, chers amis, vous inquiétez pas, je l'ai bien entendu, non ça ne passera pas. Ok, pas grave. Ok, bon bah écoutez. Hop. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc à la place de ça, je peux placer ça. Hop. Alors il se peut que je bousille complètement la solitude de mon robot. Hein. Ça je sais que vous ferez... Vous ferez un plaisir de le dire dans les commentaires, bande de vilains. Bon. On verra. Ok, mes deux jambes sont posées. Ce qui en soi est assez cool. Est-ce qu'elles sont posées au même niveau? Oui. Bon, ça c'est bien déjà. Hop. Hop.
Là par contre j'aurais peut-être dû le faire, hop. Comme ça, je gagne du temps. Hop. Même d'ailleurs, je me suis planté. Hop. Hop, voilà. Bon, ça c'est fait. Crac. Alors vous inquiétez pas, tout le côté boule va partir au fur et à mesure, hein, normalement. Ça, on verra ça le moment venu. Ou alors on le voit tout de suite, ce sera fait. Crac, ça passe pas. Ok. Ok, ok. Ici. J'aurais grandement besoin de ça. Si ça veut bien passer. Oui, ça passe. Mais ça ne passera pas ici. Donc c'est pas ce qui m'intéresse véritablement, du coup. Et là, ça ne passe pas. Ok, on va devoir faire avec. Ça va être coton. Est-ce que ça, ici, ça passe? Oui. Ça, est-ce que ça ici ça passe? Oui, là ça ne passe plus. Ok, donc ici je devrais pouvoir être en mesure de faire ça. Ok. Est-ce que je peux mettre quelque chose ici ou pas? Oui, mais pas dans le bon sens. Ok, bon, on va laisser ça passer comme ça alors. Ok. Hop, nous y voilà. Ça, je voudrais laisser ça à nu, si possible. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Ça sera pas la bonne, du coup. Ici, hop, et ici. Parfait. Et normalement, là, ça devrait pouvoir passer sans problème. Voilà. J'avais fait la deuxième rangée au-dessus. Oui. Hop. Hop, voilà. Un petit peu de créativité sur la chaîne. J'espère que vous êtes heureux. Si vous me dites non, je vais pleurer. Ok. Hop. Est-ce qu'ici, par exemple, je peux rajouter un petit peu de... Hop. Ok. Si ça peut nous rajouter un tout petit peu, voire vraiment un tout petit peu de défense, hein. Je suis preneur. Merde, je crois qu'il y en a qui me parlent dans le chat, mais je vois pas. Attendez. Ouais, ça fait moche, ça. T'es pas devant, SVP. Ouais, mais ok, ok, invite. Ah oui, d'accord. Je ne lis pas. Je suis en construction. M'attendez pas. Heureusement que je lis à ce moment-là, quoi. Alors, hop. Ah, là, à l'avant, ça ne passe pas. D'accord. Et là non plus. Ok. On va garder ça comme ça, alors. C'est pas grave. Hop. Du coup, oui, là, ici, ça passera pas. Ça devrait passer, cela dit. Hop. Oula. Hop. Hop. Ok. Donc, du coup... On remodifie ça de ce côté-là aussi. On va y arriver, vous inquiétez pas. Hop. Hop, parfait. Crac. Ok. La grosse ceinture, c'est comme ça que je vais l'appeler, entre guillemets, parce que c'est là qu'on rejoint tous les bouts, entre guillemets, si je puis dire. Hop, hop. Je ne connais pas du tout la solidité des jambes, cela dit. Hein. Ça se trouve, ça va être très mauvais. Hein. Et ça m'étonnerait pas, d'ailleurs. Ah, zut. Hop. Le pire, c'est qu'on a entendu le petit le petit moment où ça fait ça. Ne spoil pas, cette épée, t'inquiète, il le garde pour la prochaine vidéo. Je vais éviter de... Bah, si vous voulez pas que je vous spoil, je vais pas vous spoiler, hein, mais je suis pas dispo pour le moment. Ça reste, ça revient au même, quoi. C'est... Ok, c'est bon. Hop. Et hop. Parfait. Ok. Hop! On peut faire le reste s'il faut. On va gagner du temps comme ça. Mince. Je dis ça et puis à ce moment-là, je me foire. Bienvenue dans la playroom.
Ça a toujours été comme ça. Ok. Ok. Bon. Maintenant, on va prendre tous ces trucs-là. Alors, je suis un conseil, chers amis, au passage. Hein. Je pense que vous en êtes rendu compte maintenant. Il n'y a pas d'électroplates. Vous m'avez dit que les électroplates, finalement, à haut niveau, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Par contre, si vous les apportiez dans les batailles, entre guillemets, à bas niveau, avec des petits robots, ça pouvait faire toute la différence. Donc, écoutez, je vais écouter votre avis, votre conseil. Et on verra bien. On verra bien. Hop. Hop, c'est bon. Reste une ici à mettre. Crac, et on est bon. Ok, alors ça sera ça. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Crac, 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 crac. Est-ce que je peux pas, par exemple, faire un truc dans ce genre-là? Hop. Ça risque de fragiliser le robot, vous allez me dire. Je sais pas. Hop. On verra. On verra, on verra. Donc, nous voici à un moment assez crucial. L'armement. L'armement. Qu'est-ce qu'on a comme armement nous disponible à l'heure actuelle? On a un Ion Distorteur, pardon. D'ailleurs, on n'avait pas un petit aussi. Il semblait qu'on avait un petit shotgun quelque part, mais je l'ai peut-être plus. Hein. Je l'ai peut-être posé ou vendu, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ok, bon, c'est pas là la question. On va quand même équiper notre robot comme il faut. Voyons voir. Du coup, ça va falloir que je le déplace quand même. Voilà. Donc il nous reste combien? Un petit peu plus de 500. Donc. Là, ça m'intéresse un petit peu. On va aller en forge. Combien prend en flops ceci? 325, c'est dommage. Ce qui fait donc 650 à 2. Ah là 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 là. Et ceci, ça prend... 250. Ça fait donc 500 à 2. Donc je pourrais mettre par exemple deux trucs comme ça dessus. On va en prendre un. Hop, on l'achète. Hop, crac. Voilà. Ça peut me permettre de rejouer un petit peu avec le shotgun, ça peut être sympa. Alors pourquoi ça passe pas au niveau des jambes? Alors là je suis vexé. Là je suis vexé. Yeah yeah. Mes jambes sont un cran trop hautes. Apparemment. On va les baisser, c'est pas grave. Par contre du coup je vais reprendre des cubes classiques parce que là ça va pas. On va les baisser d'un cran, donc là, on va les mettre, si possible. Hop. Peut-être que ça va rendre le tout plus solide aussi ça, hein. Je veux pas dire, mais j'avais des doutes quant à la solidité du robot avant. Si on peut les placer là, pardon. Je vire un petit peu tout ce qui pourrait gêner, c'est fait exprès. Hop, mouvement. J'aimerais les placer toujours de manière centralisée si je peux. Hop, parfait. Ça va peut-être pouvoir nous arranger le coup, hein, je veux pas dire, mais... Hop. Ah là, par contre, là le truc c'est apparent, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout par contre, je veux pas le laisser apparent parce que si elle se prend des dégâts splash, c'est pas la peine. Ça veut dire que tout ce qu'on aura fait n'aura pas été adéquat. D'ailleurs là je peux rajouter des cubes, j'en rajoute. Ok. Corrigeons tout ça. C'est pas grave, hein, c'est pas gravissime non plus. Ça, on va revenir le corriger tout à l'heure. D'ailleurs, maintenant, on peut peut-être même essayer de le faire tout de suite. Donc, ça ne passera pas, donc il y aura vraiment que la partie centrale qui passe. Hop, on va tout remplir au centre. Hop,
Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? J'imagine qu'on peut pas mettre plus que ce qu'on avait mis tout à l'heure. Ok, c'est bien ça. Donc on va recopier en fait tout simplement ce qu'on avait mis tout à l'heure. À quelques détails près, je pense. Hop. Ici, est-ce que je peux mettre ce genre de cube? Oui, voilà. Ici, normalement, je suis censé pouvoir mettre celui-ci. Voilà. Parfait. Voilà qui lui fait une couche, littéralement. C'est littéralement une couche. hop, la suite. Ça passe bien ici. Ici, j'aurais besoin de tout ça, du coup. Parce que je n'ai pas fait, du coup, voilà. Je n'ai pas fait ici le reste. Hop, hop, et hop. Ok. Hop, hop. Et ici, je suis censé pouvoir mettre plein de choses, normalement, par rapport à devant. Voilà. Donc, du coup, ici, je suis censé pouvoir mettre celui-ci. Ce qui fait que, du coup, ici, j'aurais peut-être plutôt mettre ça. Ça. Est-ce que je peux pas mettre un truc ici? Si. Si, je le peux. Si, je peux pas. Ok. Et ce genre de truc là, je peux... Voilà, bah voilà. Donc voilà, il y a une grosse couche supplémentaire maintenant. Alors, un sprinter à shotgun, je pense que vous voyez bien le truc normalement. Hein. Là, ça commence à faire tilt. Ah, j'ai pas assez de CPU. Il me manque quelque chose. Il y a quelque chose en trop. Alors, je suis à combien? J'en ai que 200 de dispo, là, donc il faudra que je vire quelques cubes apparemment. C'est con parce que je n'avais pas l'intention de le faire, ça. Essayons d'enlever une couche à l'arrière. Si j'enlève une couche à l'arrière, je devrais avoir ce qu'il faut. Non, toujours pas. Intrigant. Intrigant. Et si j'enlève une grosse partie de la couche centrale? Final, parce que la couche centrale me sert pas finalement. Au contraire, elle va me prendre des points plus qu'autre chose. Attendez. Oui, il y a quelque chose là, effectivement. Il y a quelque chose à gratter là. Il y a quelque chose à grappiller là. Clairement. Est-ce que j'ai suffisamment. Alors, attendez. Hop. Falloir d'abord que je mette l'arme et après on verra pour la suite. Ok. Je peux mettre encore 6 cubes. Voilà, ça en fait déjà beaucoup moins d'un coup là. Et ici, est-ce que je peux en mettre encore 2? Voilà. Ok. Du coup, ici, ça m'embête parce qu'il n'est pas plein. Hop. Ah oui, ici aussi, ça me casse les noix là. Là, ici aussi, ça me casse les couilles. Soyons honnêtes. Il m'en manque un. Non. Hop, allez, tant pis. Hop, voilà, bon. Bon. Nous voilà avec un joli robot. Est-ce qu'on le met comme ça ou est-ce qu'on met des parties un petit peu plus ninja? Ou alors est-ce qu'on le met? C'est tout con mais... Un petit jean? Attendez. On lui met un jean? Ou alors, attendez. On lui met du rouge parce que moi j'aime bien le rouge. Je rappelle que je dis cheveux rouges. Ou alors, non, j'ai encore mieux. Je suis trop con. Plutôt mettre du rose. Voilà. Ah, peut-être du beige. Le beige passera peut-être mieux. Oh, le beige, fait vraiment beige. C'est ça qui est chiant. Il n'y a pas un joueur couleur peau. Bon, on va passer en rose, c'est pas grave. Hop. Un jean. Et une jolie casquette. Ah, oh, il est beau. Ah, je l'aime. Non, la casquette, elle sera pas de cette couleur-là. Ouais. Ou alors on peut même lui mettre du rose aussi au niveau du canon, tout connement. Ça fera les yeux. Ok, test. Appuyons sur T, faisons le test. Je ne sais pas s'il sera efficace ou pas. Ce que je sais... Alors comment on est censé sprinter? Ouh. Remarque, ça va vite. Ou est-ce qu'il sprint tout le temps peut-être? Hop.
Ah oui, ça saute haut, hein, dis donc. Hein. Je veux pas dire, mais... Et ça va vite. Ça va très très vite. Tombe pas. Et n'empêche que, honnêtement... M'attendais à ce que ce soit pire au niveau des contrôles. Il se casse la gueule, tout ça. Boum. Oh, ça va faire tellement mal, ça. Ok, je disparais. Salut l'ami. Voilà. Ok, ça peut être efficace. Edit Robot. Ça peut être efficace. Oui, je voulais tester aussi avec le, du coup, les contrôles caméra. Si le jeu veut bien. Connecting to server, là c'est un peu long, je trouve ça bizarre. Voilà, c'est cool. Ok, back menu. Ok, caméra contrôle. Et j'aimerais revoir un truc aussi sur le robot rapidement. Ouf, on peut voir directement dans Forge, directement, ça ne va pas... Hop. Comment qu'ils... Pourquoi c'est Sprinter Lag? Ah oui, Sprinter Lag. Ouais, d'accord. D'accord, donc il n'y a pas de mode sprint, en fait, il court tout simplement beaucoup plus vite. Ok, on refait un... Alors, on va faire un AI-Bot Deathmatch, voilà. Mais je peux vous assurer que... Là, maintenant, je suis au courant. Mais je peux vous assurer que je n'y étais pas. Hein. Enfin, de mémoire, je ne me rappelle pas y avoir été. Parce que je me rappelle avoir cliqué sur play et que c'est m'a rentré directement en fait, c'est ça le truc. Eh B. Cool. Black screen. Bon bah on va faire un retour. Hein. Ok, re chers amis, donc. Est-ce que cette fois-ci on peut avoir une vraie partie? C'est pas grave, on part en deathmatch. Hein. Tout ce qu'il y a de plus classique. On verra bien. We'll see. Va y avoir aussi, alors pour une petite information chers amis, du coup j'ai rejoint le Discord officiel de la Robominity, hein, donc du coup comme je suis maintenant, entre guillemets, aidé par FreeJam, que j'ai un compte presse, j'ai rejoint la Robominity, qui correspond en fait à un dialogue beaucoup plus poussé, entre guillemets, sur un Discord avec les développeurs, quoi, enfin des managers quoi, du jeu. Et ça m'a surpris de voir que ils sont au courant que certains détails du jeu ne sont pas bons du tout. Et le pire c'est qu'ils... Enfin je vais être honnête avec vous, ils s'en prennent plus dans la tronche que moi. Autant je rage sur le jeu et que vous me ragez dessus derrière parce que je rage sur le jeu. Mais j'invite principalement les modérateurs à aller voir sur le Discord. Parce que honnêtement il y a des gens qui sont bien pires que moi. Et honnêtement... bah simplement les managers sont beaucoup plus souples que vous. Mais bon... Ça vous donnera peut-être un petit peu de l'idée de comment les gens perçoivent le jeu. En tout cas, nous, on est dans une game. On va tout faire pour la gagner. Et il y a déjà un autre shotgun avec moi. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Wouhou! Hop! Pensez qu'on n'a pas... Oh, ça donne un limite un dash le jump. Non. Non. Eh, il est assez solide pour le truc que je suis allé en. Ah non, 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 il est pas solide en fait. Il est pas solide du tout. Ça va être le robot juif, je pense. Hein. Oh la vache. Et il est beau le sien par contre. Hein. Un des deux. Ah mais reste pas derrière. Bien le coup du dash dans le vent, c'est une technique comme une autre. Hop. Allez, boum. Allez les mecs, vous êtes où là? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous faites... Qu'est-ce que vous faites dans le bâtiment? Blah, bon, j'en ai donné deux. C'est violent. On va éviter de donner, hein. Donc finalement, il est assez fragile. Rapide, mais fragile. J'ai cru de savoir si on peut pas les booster, les legs, justement, avec... avec... Pourquoi pas... Hop. Hop.
Ok. Ah! Ça ne peut pas pousser les dégâts avec justement des propulseurs, mais bon, c'est une autre question. Ah! On va flanquer, on va flanquer, on va flanquer, on va flanquer, on va flanquer s'il veut bien accélérer. Oui! Merde, on est en train de se faire défoncer par contre. Hop! Raté! Mince! Raté! Allez! Oh! Oh mais non, mais c'est pas possible! Comment c'est possible de rater un mec comme ça? Oh, j'ai 1% PV. Le moindre tir sera fatal. Comment je peux avoir 1% PV avec tout ça? Hop, bouffe. Voilà, là, je t'ai pas loupé. Par contre, faut rejoindre nos copains, là. Je suis désolé. Hein. Hop, on recharge. On va faire les... Ah, bah non, il veut flanquer. Tu veux flanquer ou tu veux pas flanquer? Oula, je viens de faire un petit... Hop, je recule. Si j'avais du heal, ce serait cool. Allez. Hop. Voilà, ça c'est fait. Hop. Je devrais peut-être rajouter un canon de... Wouah, salto avant. Bah. Où il est le copain là? Où il est mon copain qui était dans le sol? Hop là. Ah, j'aime bien parce que c'est comme dans les films, vous savez, vous faites un pas sur le côté et fait... Non, faut que je parte dans l'autre sens. Oups. Hop. Hop. Bah viens, viens, j'attends, viens. Hop les. Allez, t'es censé mourir là. Allez. Parfait, ils l'ont eu. Par contre, moi je dois de me faire eu aussi. Ah merde. Vous pouvez me couvrir? Non, bah non, apparemment non, ça m'intéressait pas de me couvrir. Non, non, me couvrir, c'était pas l'idée qu'ils avaient en fait en tête. Clairement, non, c'était pas ça. Me couvrir, c'était pas leur idée. Bah, il manque en fait littéralement une arme à longue distance avec ce robot. Ouh là 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 là. Pourquoi on est plus pro 4 sur le front là? Qu'est-ce que vous attendez tous là-dedans? Wouhou! Salto! Bon, j'atterris sur le dos, mais c'est pas grave. Vous savez que c'est pas la meilleure des idées ce que vous faites là, hein. Je veux pas dire mais... Hop. Ah, là. Ouah, un sniper. Je fais un sniper. En plus, je suis mauvais. Hop. Allons-y. Hop, allez! Allez! Oh non! Oh non! Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah, il est bien mon truc à lui, dis donc. Ouais. Ah, mais de toute façon, y'a personne qui. Regardez ça! Regardez ça! Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Bah dis donc. Attends, on a sorti son arme à lui. Eh ben non. Hop.
Oh non, mais... Hé, hey, je vise l'ennemi qui est devant moi. Allez, feu. Mais non. Oui, surrender. Oui, surrender. Je sais pas ce que vous fichez, mais j'ai l'impression de faire tout. Ah non, y'a quelqu'un qui veut pas répondre. Eh ben voilà, merci à lui. En même temps, comment il peut être aussi solide ce truc? Comment il peut être... C'est un plat! C'est un plat ce machin! Eh non, mais bourre-moi, bah vas-y, bourre-moi. Ce mec, c'est juste un plat. Et il se fait... Il est impossible à buter. Regardez ça! Regardez ça! Il est impossible à buter. J'ai 10 fois plus de cubes que lui sur moi, mais lui a plus de PV que moi. C'est fou! Qu'on m'explique! C'est pas la peine. Voilà, parfait, cool. Ok, bon, bah c'est cool, finalement. On a 2000 et 3000 de damage dans l'équipe, c'est cool. Merci à eux. Bon, bah on a un robot qui finalement est fragile, qui va être du coup très dépendant de l'équipe. Il y aura sûrement vocation à changer 2-3 petites choses, hein, c'est clair. Pour moi, ça, va y avoir des modifications. Par exemple, enlever sans doute la boule qui est au-dessus. Edit Robot, hop. Enfin, là, comment la... Le méga canon qui est au-dessus. Et le remplacer par autre chose de plus précis, je pense. Je pense principalement à ceci. On fera les tests, bien sûr, ensemble, vous inquiétez pas. Du coup, ça va devenir un cyclope. Voilà. Je sais pas s'il en sera plus efficace. Peut-être rajouter aussi... non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Peut-être rajouter aussi... Voilà. Ici. Et si possible... On peut pas en rajouter deux autres ? Ah, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas apparemment. C'est cool. Hop, voilà. Et potentiellement peut-être rajouter encore un cube comme ça ici. Et rajouter de la défense à l'avant, parce que j'ai l'impression qu'on est véritablement en manque de défense à l'avant. Hop. Hop. Ok. Hop. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Hein. Honnêtement, je sais pas du tout si c'est bien. Ok. Du coup, bah hop. Voilà. Je sais pas du tout ce que je fais, c'est la fête. C'est la fête du slip. On va peut-être se faire défoncer au niveau du milieu là. C'est uniquement pour ça que je le fais. Hop. Hop. Non. Ah bon. Hop. Du coup, je peux peut-être simplement refaire un truc classique. Et là, ils allaient me dire, non, qu'est-ce que t'as fait, Marcus? Pourquoi? Bah, je sais pas. C'était bien ce que j'avais fait avant. Oh, je savais pas. Ok. Ici, crac. 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 Ah, je peux plus, j'ai plus assez de cubes. Ok. Il est comment celui-là? Il est comme ça. Ok. Hop. Ah bah de toute façon j'ai même pas fait l'autre côté donc... je croyais que j'étais en mode miroir mais apparemment c'est pas le cas. Ok. Voilà. La remarque. Ouais, je sais pas s'il est plus stylé comme ça. On va mettre...
On va mettre du beige. On va en mettre ici. Hop. Voilà. Crac. Il est tellement beau ce robot. Il est tellement beau ce robot. Quiconque le niera prendra cher. Hop. Non, là il faut du rouge. Là il faut du rouge, c'est le bandeau de Rambo. Pa 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 pa. Péré péré. Hop. Ok. Pépé pépé péré pépé péré péré. Péré pépé. Je viens fou les amis. Hop. Hop. Voilà. Et on va lui mettre les petites dents blanches. Hop. Voilà. Et Ah, c'est déjà pris. Voilà. Non, pas le jean. Le jean, il est très très bien. Voilà. Il est hyper beau, mon robot. On va lui mettre ici des cheveux marrons. Voilà, la grosse mèche marron. Et voilà. Il est beau. Il est beau, chers amis. Il est beau. Il passe pas dans l'écran, mais il est beau. Bon, tant pis. Salut !